de la houle en hausse du vent offshore et les prévisions réactualisées pour le vent et pour la houle à 13h sur la Canoro. Bonjour à toutes et à tous. Temps qui est dégagé à variable, une température extérieure à 20 degrés, une température de l'eau à 13-14 degrés. Cet après-midi, un temps variable, une température à 23. La marée est actuellement en train de finir de descendre. Le plein bas est à 13h55 avec des coefficients de 85. Et sur cette marée qui est en train de finir de descendre, le vent tient offshore. Là, il n'a pas hésité un poil, différent d'hier. C'est est-sud-est, un Beaufort établit des rafales à 2 au début de la vidéo, mais en fin de la vidéo, il s'était calmé. Hein. Sud-est, un Beaufort, le plan d'eau est ridé, les phases de vagues sont lisses, là où il est magnifique. Une belle houle longue de 12 secondes de période orientée ouest à ouest-nord-ouest à la hausse. Elle était relevée, la houle, tout à l'heure sur la Boire. Cachon-Gascogne, il y a 2,40 et 12 secondes à la hausse, ce qui donne des vagues à la hausse. À la Cano, il y a 1m20, 1m50 en déferlement régulier, 80 à 2m sur la majorité des séries. Et de temps à autre, il y a des gros sets à un bon 2m. Je crois qu'on va voir une série à un bon 2m juste derrière, là, si je ne me trompe pas. Donc il y a des bouts à attraper, ouais, c'est ça. Donc il y a des bouts à attraper avec la marée qui est basse, la barre est facile à franchir. Ce spot-là est très joli. Mais vous voyez là, quand il y a la grosse set, là, il y a 2m, 2m30 pas loin. Vous voyez comment ça décale, elle n'est pas bonne. Pardon. Par contre, quand il y a toutes les vagues intermédiaires à un petit 2 mètres et tout, il y a des très très jolies vagues qui arrivent à passer. Donc la barre est facile à franchir, les vagues sont à réserver pour des surfeurs confirmés. C'est costaud, les vagues au bord, il n'y a quasiment personne, ça ne fait que fermer. Les autres bandes du large ne sont pas terribles. Mais quand il y a les intermédiaires comme ça, là, elles sont jolies. Hein. Et c'est là où il y a tout le monde à l'eau, je pense. L'évolution pour le reste de la journée, la Boire, Cachon, Gascogne est encore montée à la hausse à 2,60 et 12 secondes, c'est son pic. Je pense que dans l'après-midi ou vers 17h, ouais, dans l'après-midi, pas sûr à 17h, mais dans l'après-midi, ça je suis certain, il y aura 2 mètres, quelques séries au-delà, avec un vent qui est attendu au nord. Alors les prévisions à 17h, c'est 2 mètres à 2 mètres 30, ou l'ouest à ouest-nord-ouest, 13 secondes de période, vent de nord-nord-ouest 1-2. Le meilleur créneau, c'était ce matin. Ce midi, début d'après-midi, sur le large, c'est encore bon. Cet après-midi, sur la fin du montant, ça va s'améliorer sur les bancs au bord. Mais si le vent se lève un petit peu au nord comme c'était prévu, ça sera plus agité et carrément moins joli que ce matin. Je vous tiens informé sur l'évolution des conditions sur le 08 92 29 78 73 à 14h, 16h et 18h. Bon dimanche.